Bonjour à tous, regardez ce qui vient d'arriver dans ma boîte aux lettres. Il s'agit de My Sweetie Box, la version de novembre, qui est parée ce mois-ci d'une décoration à tomber. J'adore les décorations norvégiennes, nordiques comme ça me fait penser à mes pulls jacquard, j'en ai plein, j'adore ça, je trouve c'est parfait pour la saison. Et justement, pour rappeler les pulls, ici nous avons de la laine tricotée, enfin c'est un imprimé, hein. Et je trouve que c'est super, cette box, je l'adore déjà. Et je vous propose tout de suite maintenant de découvrir ce qu'il y a dedans. On commence avec deux produits qui sont des masques monodose de la marque Montagne Jeunesse. Alors, celui-ci est à la noix de coco, il est pour les peaux sèches et fatiguées. Celui-ci, c'est un masque peel-off qu'on peut retirer donc façon film. Il est au concombre, il est pour tout type de peau. Franchement, je suis assez conquise parce que, croyez-le ou non, croyez-le, vaut mieux, hein. Je n'ai jamais testé les produits de la marque. Je pensais l'avoir fait, il me semble que j'avais acheté il y a, allez, on va dire 15 ans, des masques de cette marque-là à New Look, mais je ne trouve pas la trace de ceci. Et déjà à l'époque, je notais ce que je testais, je mettais des notes dans un petit carnet, et je n'ai pas retrouvé. Donc il me semble que c'est mes premiers masques Montagne Jeunesse. On verra si ce seront les derniers ou pas. Au passage, regardez, il n'y a pas grand-chose en garniture dans la box parce que en fait, il y avait énormément de produits. Tant et si bien que il y avait un produit en dehors de la box et je vous propose de le découvrir tout de suite. Il est complètement hors format, comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'un paquet de gâteaux biscuits gourmands sésame vanille qui sont pauvres en sel et riches en fibres. Ils sont sans sucre, c'est de la marque Carelia, qui est en fait une marque du groupe Léa Nature. Alors la marque Léa Nature, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je n'ai jamais testé leur nourriture, enfin pas à ma connaissance. Donc je suis ravie de ce test à venir. Je vais me régaler, j'en suis sûre. En plus, sésame vanille, ça me semble parfait pour la saison. Ça ira parfaitement avec le thé qui est en train d'infuser dans la pièce à côté. Dans tous les cas, j'ai envie juste de dire que je trouve super que My Sweetie Box nous propose de tester aussi des produits qui ne rentrent pas dans la box. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de marques de box qui n'aiment pas mettre des produits en dehors de la box parce que ça enlève la surprise et aussi parce que ça leur occasionne des frais en plus pour trouver des boîtes en carton qui contiennent cette boîte-là, qui soit plus grande, donc bon, c'est pas facile pour eux. Je trouve que c'est une très bonne occasion de découvrir d'autres choses et franchement, j'applaudis parce que moi je suis super satisfaite. On continue avec les produits, avec cette fois-ci un autre produit qui prend de la place. Il s'agit d'un shampoing Head & Shoulders classique, donc pour cheveux normaux. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne compte pas du tout le tester. C'est pas du tout pour moi. Ça fait déjà plus de 2 ans. Il me semble que je n'utilise pas de produits avec des silicones. Attendez, que je dise pas de bêtises, je vérifie la liste. Est-ce qu'il y a des silicones? Non. Oui, il y a du diméthicone ici. Bon, c'est au milieu de liste, mais quand même, je n'utilise pas de silicone. Et en plus, ça fait presque 2 ans que je n'utilise plus de produits qui contiennent du sulfate. Et ici, il y en a à rabord. Bref, c'est pas grave, ce produit coûte pas trop cher et je pense qu'il y en a qui devraient être ravis de le recevoir. Je vais en tout cas l'offrir sûrement à mon papa ou à mon frère qui devrait être content. On continue avec un autre gros flacon quand je vous disais que la box était super remplie. Cette fois-ci, il s'agit d'un lait crème corps, pardon, à l'huile d'argan de la marque Rivadouce. Des laboratoires Rivadis. Pourquoi pas, je connais pas du tout la marque, je trouve que c'est un bon flacon parfait pour la saison parce que c'est vraiment le moment où il ne faut pas zapper la case hydratation du corps. Après, à voir si ça sent bon parce que l'huile d'argan récemment ça ne m'a pas vraiment fait monter au rideau. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur le blog. Je suis dans tous les cas, encore une fois, super contente, je vais pouvoir tester une nouvelle marque et je vais pouvoir me donner à cœur joie pour m'hydrater à fond, à fond, à fond. On continue avec un gros flacon, cette fois-ci c'est celui-ci. C'est une crème nettoyante intime de la marque Jaylis et qui a l'air plutôt sympa. Pourquoi je dis ça? Parce que ma chirurgienne m'a prescrit pour ma cicatrice qui est au niveau des fesses, donc on va dire que c'est une zone intime, puisque je ne la montre pas à tout le monde. Donc elle m'a prescrit une crème
nettoyante d'une autre marque, une marque concurrente un peu plus célèbre. Et j'avais remarqué, à ma grande surprise, qu'il ne contenait pas de sulfate. Et donc là, évidemment, j'ai regardé tout de suite la liste ici. Et encore une fois, il n'y a pas de sulfate, il y a des alternatives assez sympas pour nettoyer en douceur, en extrême douceur, ces zones intimes de notre corps. Donc dès que j'ai fini mon flacon, hein, il fait 1 litre, il est bientôt fini, j'ai honte. Et bien, dès que je l'aurai fini, et ben, je testerai celui-ci avec plaisir, parce que je connais pas du tout Jaylis déjà. Et parce que on a tous besoin de prendre soin de notre intimité sensible, comme c'est écrit là. On termine la découverte de My Sweetie Box avec 3 miniatures qui se trouvent ici. C'est de la marque Cadalys dont j'avais beaucoup entendu parler sur la blogo et que j'avais jamais eu l'occasion de tester, donc je suis ravie. Et il y a ici un masque doux qui exfolie, il s'appelle Musacline. Ensuite, il y a ici une crème anti-âge, donc c'est pas exactement pour moi, hein, de la marque Musalift, que je vais donc donner à ma maman. Ici, on a une crème Musalis, première ride, donc encore une fois, c'est pas exactement pour moi. Par contre, je suis pas sûre que ma maman, on puisse la classer dans les premières rides, soit dit en passant. Désolée maman si tu regardes cette vidéo, c'est la vérité, je ne mens pas sur la vidéo. Bref, voici donc l'étendue de tout ce que nous avons ici. Comme je vous le disais, la box était super super bien remplie. Je suis assez contente de mes découvertes. Il n'y a rien qui me fait exactement... Il n'y a rien qui m'excite quoi, hein. Plus que ça, si ce n'est les gâteaux. Mais bon, c'est pas exactement un produit de beauté. Donc est-ce que je pourrais dire que c'est mon produit préféré de la box ? Allez, je vais le dire, je suis une gourmande, que voulez-vous? Dans tous les cas, je serais ravie de tester Jaylis pour la première fois, Montagne Jeunesse pour la première et deuxième fois. Ici, la marque Rivadouce, décidément, je ne me rappelle jamais le nom de cette marque. Donc vraiment des belles découvertes, en plus avec le produit Cadalys que je vais utiliser, donc le masque peeling. Donc je vais m'éclater, je le sens bien. Je vous propose tout de suite maintenant d'aller chercher un petit carnet, je vais sortir ma calculatrice et je vais vérifier quel est le total de ce qu'il y a ici pour voir si on en a pour notre argent. Je vous retrouve tout de suite. Aussitôt dit, aussitôt fait, la calculatrice est là, le stylo aussi, et voici les résultats. Donc au final, on se retrouve quand même avec une box qui coûte dans les 40 euros en termes de valeur, ce qui est plutôt pas mal. J'ai été assez surprise de la valeur de ces 3 petites miniatures là, elles sont super petites, mais au minimum elles valent 2,29€, la plus élevée étant à 6,30€, et il me semble que c'est celle pour les premières rides, donc peut-être que je vais me garder cet échantillon là. Dans tous les cas, voilà, je vous ai présenté Canap Party, il me semble que c'est le nom de My Sweetie Box de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop parlé, en tout cas là j'ai la gorge super sèche, donc j'ai l'impression que j'ai un peu trop papoté. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. Bye bye!